Celestial Elephant. Un petit jeu. Moi, j'avais cru mobile. J'avais cru comprendre que c'était un jeu mobile, mais en fait, non. Il est sorti sur PC. Apparemment, il n'est pas top top, malheureusement. Et j'allais dire, la manette n'est pas reconnue. Si, mais juste le stick. Hein. Ça va pas garder mes réglages. Ça, c'est pas cool. Mais on va dire qu'il est tout poutou. Déjà, rien que le menu est pas top. Ça commence mal. Et ça vous capture pas bien. C'est resté dans le menu. Pourquoi ça bloque comme ça? Attendez, ouais, ça bug. C'est parti, c'est la teuf. C'est la teuf of the stripe. Je ne peux pas capturer. Hein. Bon, on va faire autrement, d'accord. Je sais pas pourquoi. Il est pas content. Et... ouais, hop, voilà. On va le capturer comme ça, c'est pas grave. On est content. C'est pour les... c'est les tout poutou piti. C'est pour les petits, oui, mais ça n'empêche pas que le jeu peut être jouable. Apparemment, au data, il est injouable. C'est un petit peu ça le souci qu'il y a avec ce jeu. C'est que déjà, pour un adulte, c'est pas facile à jouer. Alors si en plus, pour un petit... j'ai un autre jeu au chaos qui ressemble un peu à Overcooked, mais bon, faut sauver des enfants qui font n'importe quoi dans la rue. Des petits. Ah, nouvelle partie, tout à fait. Le petit robot est bien saillant. Le petit éléphant, il est pipou. Les étoiles. Oh, je fais de la bulle. De la condensation. Oh, la constellation de la grosse tube de l'éléphant, c'est pareil. Tax Team, aventure un des mignons. C'est un peu fort aussi. Tax Team sont mal réglés. Il faudra le dire à Steam. Sauver des enfants plus quand encore. Mais si, mais c'était genre t'es un parent. Il dit dans la rue, il court vers les. Tu vois, vers les trucs dangereux. Et je crois que tu peux jouer à plusieurs, comme dans Overcooked, tu vois, il faut que tu fasses du multitasking, tu comprends. La macro-gestion. Micro-gestion. Il y a une étoile qui tombe du ciel, tu vois, c'est le scénario. Comme ça. Voilà, ok, donc oui, non, la gamine est terrifiante. Du coup, hein, on est sur Halloween. Salut, je m'appelle Sundara, c'est pas Sandra, c'est Sundara. Je t'ai vu tomber du ciel. Ah, c'est moi qui ai tombé, la créature es-tu? Je m'appelle Yolo. Yono, je suis un éléphant. Moi, je suis une humaine. Je suis pas convaincu, ma petite Sandra. Si je suis l'abominable du père, c'est parce que je suis en quête d'une... mais tu es surtout un petit problème de consommation excessive de sucre. Tout d'un coup, j'ai vu cette grosse étoile éteindre un instant, mais c'est ce qui fait que j'ai jeté un œil. Toi, j'ai trouvé si rapidement. Et je suis prêt. Prêt pour l'aventure. Il y a un petit village un peu plus long, on l'appelle Ventoline. Mais c'est quoi ce jeu? Ventoline, c'est que des mots qui existent, mais c'est Sandra, c'est Sundara, Yolo, c'est Yono, et Ventoline, c'est Ventcoline. Non, c'est Ventcoline, ah oui, c'est différent. Ça devait être Windy Hill, un truc comme ça. Si moi je vais te conduire par ici. Allez, on y va. Ah, ça y est, elle se comporte un peu plus de façon. Eh, bon, ça va. Je peux souffler avec ma trompe. Faire des blagues sur la trompe zizi, bien sûr, ça on est d'accord. Ok, putain, j'ai une manette, c'est quoi c'est? Ah, mais c'est l'interface Switch! C'est génial! Les mecs ils mettent l'interface Switch, mais déguisée. C'est pas. Non, non, c'est pas Switch, regarde bien. Il n'y a pas marqué Switch, parce qu'il sort sur Switch aussi, qui est complètement le. Un des publics. Eh, c'est mignon. Très bien. Bon, tu peux pas crever. Alors, il y a des trucs en haut à gauche, je sais pas, une espèce de petit carré rouge. Elle me stresse, elle. Je peux prendre un petit tortue et on peut s'assurer. Vous voyez, ce jeu-là, par rapport à celui qu'on avait testé avec la boîte, là, le colis qui était censé être mignon, on est d'accord que bon, la 3D isométrique, c'est peut-être pas un choix idéal pour les enfants. Mais c'est absolument pipou. Je sais pas. Je suis un crétin. Je suis Link, je casse des pots. Ah mais je vais ramasser des petits trucs rouges en fait. C'est une espèce de cœur, ouais. Salut Little, ah bah voilà. Ça tombe bien que tu viennes parce que c'est pour toi. Regarde, il y a des petits trucs rouges qui se remplissent, qui étaient cachés dans les pots. Voilà. C'est un jeu qui va être pour toi, pour les enfants. Voilà, ça c'est le bon petit coup de taquet, hein, on connaît. Mais oui, cette petite bouillette de l'éléphant, ça, il mue bien. Elle me fait flipper. Ok, moi je peux pas sauter, je parie qu'ils font pas le poids avec une grosse tête comme la tienne. Alors, ouais, si c'est marqué, j'ai dire les contrôles manettes sont pas marqués, mais si. Salut Sissi! Ouais, c'est pas. Ouais, on se casse des cailloux! C'est une petite tortue ça en manette, c'est caché.
je vais la garder avec moi la petite tortue. Blablabla, je suis sûr que tu peux cette grosse boîte. Va te voir, je sais plus si je t'ai dit aussi, c'est avec toi qu'on parle depuis tout à l'heure. Faut que je fasse quoi? Trompe. Interagir. Ah, faut que je la pousse. Ah non, oui, d'accord. Oui, oui, tu pousses. Ah, comme ça, je peux passer. Oui, petite fleur. Oh, c'est marrant, ça, c'est bien fait. Quoi, à la place? What? Qu'est-ce que t'as mis, Fabine? J'écris un mot, le chat. T'as vu, c'est pipoufant. C'est pipouléfiant. Un éléphant à kippa. Pourquoi t'as écrit kippa? Bah, c'est oui, c'est un emoji, quoi. Si t'écris le mot, ça fait le mot, quoi. Regarde ces pissenlits. Je n'ai pas envie. Pas spécialement. Wouah. J'ai pu souffler les pissenlits. Qui ne l'a pas fait, mais même encore maintenant on le fait. On a un pissenlit, on ramasse son souffle, faites pas genre. Bon, je ramasse ces bitonios, ça doit être ma vie, je pense. Voilà, je souffle et c'est l'énigme. Ah, on me l'explique pas, attention, là on me laisse un peu. Petite musique bien chillax. La fille est flippante, on est bien d'accord. Je sais pas, des petits losanges rouges. Attendez, parce que oui, ah, d'accord, ça s'active. Putain. Pas ce trompeur, putain. Avec la barre. Sérieusement, je vois bien que tu fais des vannes de l'âge du jeu, mais. Vous voyez ces petits designs tout ronds, tout bien chiadé, tout bien pastelounette. Et le petit éléphant, écoutez, on ne peut pas. Petite trompounette comme ça, ce petit cucu et sa petite queue, c'est ma fique. On me le dit souvent. Allez, hop, c'est de l'isométrique. On a fait déplacer les petits machins, écoutez. Et effectivement, pour les enfants, il n'y a que le truc de la vue isométrique. D'un côté, c'est fixe. Donc le repère en 3D, dans la 3D, est plus simple. Mais au niveau placement, ouais, c'est peut-être un peu. Ouais. Fifi Barnassier, ouais, mais en taré quand même. Ah, faisait kippa, d'accord. Ok, famille, ça, j'ai compris de quoi tu parles. Ah. Et là, ça active les trucs pour un temps donné, alors il faut pas non plus trop traîner. Ah, ah bah, il y a un trésor, bah du coup, j'ai pas fait exprès. Lili, un fragment de vie. Collision, vous savez, les échanges de fragments de vie, on va mettre cartouche de vie. En gros, c'est les cartes de cœur, etc. Chevalieron. D'accord. Ouais, on va afficher tout le monde. Mais c'est musique de Cops d'Awa, c'est ça. C'est complètement ça. Mon petit. C'est quand même plus mignon que Ped. Oh, Ventoline. Ventoline, on dirait, tu sais pas. C'est un easter egg. Non, attention, faut pas surfaire les vannes. Doucement, on a été là. Enfin, à petite dose. Surtout sur internet, les vannes, ça va très vite. Faut vite changer. Quelque chose d'écrit-tu. Ingrid est passé par là. Ah ben Ingrid, c'est l'autre loup. C'est un jeu pour enfants, tout à fait. Mais je le trouvais absolument adorable. Bonjour. Oh, bien bonjour, petit. Vous m'avez fait peur, mais dites-moi un genre d'animal. Une créature à quatre pattes avant. Oh, c'est raciste. Ne vous en faites pas, madame. Je suis un éléphant. C'est la première fois que j'entends parler d'éléphant. Hein? Mon dieu, mais je suis un éléphant de l'espace dans ce pays. Les éléphants n'existent pas. Ah, tu vois, si. Mais un éléphant, du coup, un éléphant qui parle, ça ne lui fait pas peur. Juste une personne à quatre pattes qui lui fait peur. Ok. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh, le petit secret. Et vous savez quoi me fait penser cette vue-là, en fait, et les passages secrets à Hans Stoker, en fait. Ça me fait trop marrer. C'est bien. Par contre, il peut pas sauter. C'est un éléphanto, donc on peut... Ah, le bon petit taquin. Tu le connais, celui-là. Petit taquin qui te taquine. Ah, la bonne énigme. Faut réfléchir.
petite trompette. Faudrait qu'il fasse ça de plus souvent, puis des variations. Pas toujours le même bruit. C'est légèrement un ton différent de temps en temps. Mais oui, je ramasse les trucs, en fait, là, ça sert à rien pour l'instant. La musique est un peu comme ça. On peut faire de la trompette, je suis heureux comme un petit éléphant. Mais c'est de la monnaie, ça, genre, ouais, en bas à gauche. Ok, je viens de voir où ça se mettait. Ça vaut les donjons de Zelda, hein, ça va. Ah mais je peux foncer dedans, bah les couilles. Difficulté, mais non, mais c'est pas le but, faut pas toujours. C'est pas Cuphead et Dark Souls toujours, hein. Ah, là par contre ça bug. Ouais, j'arrive pas à y rattraper, dommage. T'avais pas trouvé à se voir, oh c'est mignon, mais tu l'avais peut-être pas vraiment cherché, c'est pour ça. Il est fort, Lord, et oui. Ah, est-ce que je peux pousser ça? Ah, je peux pas pousser là? Ah si, il faut que je casse, bah oui. C'est vrai qu'il casse. Alors, énigme, Little Unicorn, regarde. Je vais pousser ce rocher là. Attention, ça va aller vite, tu vas voir. Les refs Nintendo, pfff, les refs jeux vidéo global, parce que... C'est... Je sais pas si on peut parler de... Après, je mets là, comme ceci. Après, tic, 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 tic. C'est tellement des classiques. Mais c'est pour les petits, c'est déjà assez relevé. Ça dépend les petits de quel âge, mais... Oh, je sais que les miens, là, ils... Je sais pas s'ils se prendraient trop la tête aussi. Ouais, ils font des trucs, ouais. Ils sont très sur Angry Bird. Sokoban like. Ah, je connais pas Sokoban. Ou Sokoban, je ne sais pas. Je vois bien Manu faire ça en entier en live. Ah oui. Ah. Non, je voulais pas ça. Putain. Alors ça, c'est chiant. Ça me laisse pas un petit... Enfin, remarque, ça me fait voir où va la plateforme une première fois. Je vais anticiper, voilà. Et voilà, j'ai des platinés. Par contre, ça me fait perdre des petits losanges. Je pousse des caisses. Ah bah ouais, non mais bon. Oui, oui, mais faut juste garder en mémoire pour qui c'est, quoi. Il manque un peu de toutoum, toutoum. Tu vois quand j'y cours. Boum, 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 boum. Bah, j'ai pas été voir là où il y avait des trucs là-haut. Ouais, non, ça fait carrément dans le stalker pour enfants. Chaud. Mais elle a pas la même tête. Ça, c'est horrible. Les gueules là. On dirait justement la comptine que j'ai mis en intro là, animée en flash dégueu. C'est exactement ce design là. Ça pue la merde là. C'est un zombie. Un zombie qui n'est pas vivant. C'est un cadavre comme ceux qui l'enterrent. Ça reste la croque-mort qui est. Oh, c'est l'Undertaker. Mais. D'accord. Ok. Donc il y a quand même un croque-mort. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est toi? Tiens, salut, Wally. Mercurium. Tu as un mécanisme d'acier. D'accord. Tu. Saviez-vous que les berfus étaient fondés par les mécanismes? D'accord. D'accord, en gros c'est l'Europe quoi. Il y a des robots, mais il y a un scénario et tout. D'accord. Ah c'est qu'avant c'était les serviteurs. Ah la poule. Voilà. Et on peut attaquer les poules dans le jeu. Ah mais je voulais... Bon bah je me balade avec la poule dorénavant. Ah pardon. Bip bip bip. Bienvenue à Voltorier. Oui mais j'en ai, j'arrête pas d'en collecter depuis tout à l'heure. Putain, merde, je tombe. Malheureusement, on n'avait pas assez. Il en faut 4. Okay. Non, reviens la poule. Non! The chicken is my friend. C'est la papoule, je ne sais pas. Un kipiculteur. Professeur, il y a plus de moi, je cherche le croque-mort en vrai. Là. Non. Ingrid, ah oui, bah, c'est de la cochevine en fait. Cocorico, ouais. Je crois vaguement avoir la rêve de Zelda, mais bon, sans plus. Bon, bah, c'est assez pipou. Hein. Écoutez, ce petit téléphone, petite poupou sur la tête. Salut, Mickey. Ça nous change un peu nos habitudes de mort et de destruction. On va quand même tester l'autre jeu. Ça va être un petit live. Hein. C'est toi le croque-mort. Oh, que faire, que faire, lequel vaudra. C'est quoi ça? C'est le meilleur jeu
du monde pour ta petite sœur, You Know the Celestial Elephants, qui va sortir donc sur Switch, qui est déjà peut-être sorti sur Switch, et sur PC aussi. Et du coup, comme premier petit jeu action un peu RPG, là, il y a des dialogues et tout. Écoute, c'est mignon. Et là, ce double moulin qui ne sert absolument à rien. Pourquoi il y a une pale sur la pale, on ne sait pas, mais c'est pas grave. Oh oui, une coupe de cheveux. Bienvenue au salon de beauté d'avoir collé les cheveux pour faire jouer. Je suis mystérieux. Oh, d'or éléphant, le dernier maître éléphant, sympa. Éléphant blanc. Allez, je suis sur un vinyle et tout. Shakespeare. Pour Escher. Je sais pas. Vermillon. Oh, c'est trop pipi. Oh, c'est trop pipi. Du moment que c'est pas des achats in-game à poids. Ouais, éléphant cosmique. Ouah, c'est trippant, mais là, ça fait mal aux yeux. C'est trop mignon. Non, mais. Hey. De temps en temps. Après, à jouer, c'est inintéressant, clairement. Écoute, j'aime bien le dernier maître des éléphants, mais. Il est encore plus mignon en petit en bleu-gris comme ça. Mais c'est mignon. Ouh, whiz. Ben, le GTA, ben voilà. Il a quel âge? Attends, les jeunes d'aujourd'hui, oh là là. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ça alors? Tu te dois de les éduquer. Les clichés, ouais, famine, ça y est, tout de suite, Ramsey's. On dirait que l'ex 3D. J'avais pas le droit à son âge. Ah ouais, alors ça par contre, ça c'est pas juste. Surtout c'est un garçon, voilà, on passe tout, hein, c'est dégueulasse. 8 ans, ah bah non, mais. Ah bah ah oui, effectivement, oui. C'est effectivement un croque-mort. Ok. Bonjour. Fait l'arrivée au lieu, mais bien sûr, j'ai posé le pied dessus, j'ai jamais fait rencontre que tout le monde est pour les vivants que pour les morts. Je suis un squelette-esprit, nous sommes les cadavres vivants de soldats. D'accord, mais c'est glauque. Des fois, tu sais pas. Il y a des trucs un peu glauques, le robot de tout à l'heure, on était des serviteurs, on a construit la ville nous-mêmes, machin. Ça, c'est un peu poussé, je trouve. Encore jamais parlé avec un mort, encore se dit que vous ne reposiez pas dans le sol. Attention, il y a des centaines d'années. Hein. C'est chaud, ça parle de massacre et tout. Bah merde. Râle dans ton goût, Mickey. Putain, les graines et calabres s'enfoncèrent dans la terre. Mais c'est spécial, non? Cet endroit a l'air merveilleux, mais il parle d'un cimetière, bordel. Mais c'est glauque qu'il est en train de dire oh, j'aime bien observer les corps humains, ça. Il y a une ville de fantômes en fait, ok. Ouais, le baron samedi, exactement, un petit peu, ouais. Mais sauf que là, c'est un vrai crâne, c'est pas. Ok, on a un tournant. Bah, du coup, j'ai un doute, oui, effectivement, Dimion, mais enfin, est-ce que ça peut être pour un autre public que les enfants, vu le gameplay? Parce que là, c'est quand même. Ouais. J'avoue que j'ai un doute, là, je vais pas. Oh, c'est bien. Très mal, j'ai déposé mon chien d'objet. Vos billes, ah, ils vendent des billes. D'accord, je suis un éléphant, je vais apporter la paix et l'harmonie, hein, bien sûr. C'est le propre de l'éléphant. Est-ce que... Non, 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 non. Il y a là ma poule. Atmosphère. Pff, oh, little. Ça va pas, ça. Faut éduquer tes parents aussi. Bon, alors c'est cool, je suis content, mais qu'est-ce que je fais là maintenant? Ça va, mais je sais pas si je ressors, qu'est-ce qui se passe. Monsieur l'homme, il s'appelle homme. Alors, est-ce que j'ai une map? Non. Ah, je vais sauvegarder, tiens. Oui. D'accord, il y a la save quand on veut. Shift, machin, ok. Mais je dois faire quoi en réalité, de la réalité véritable? Ah, il y a un petit train. Bonjour. Ma poule! J'ai perdu ma poule! Fuck. J'ai dû la perdre dans un temps de chargement. Non! Attends, déjà on peut sauver ça. Non mais oh.
Jamais sans ma poule. Never without my cock. Oui, les mécaniques, tatatitatata. On peut vraiment aller partout, oui. Ah là là, c'est dégueulasse. C'est trop pourri, genre j'ai pas le droit de prendre le train pour une ville tant que je l'ai pas découvert par moi-même. T'imagines ça? T'as jamais été à Paris à pied ou autrement? Bah tu prends pas le train. T'as pas le droit. Mais oui, mais dis-moi, tu vas pouvoir regarder, tu te roupies pour. Ça me stresse qu'elle soit en quinconce, qu'elle soit pas alignée. Ça, j'avoue, ça me perturbe. On a dit qu'il y avait quoi? C'était le marchand, là. Ouais. Mais du coup, j'ai pas vraiment de quête plus que ça, là. Et c'est ça qui me chafouine un peu. This is chafouine at me. Là, il y a un arbre, il y a un affaire. Toi, tu m'as donné quoi comme quête? Je sais plus. Ah! Ah, faut que je... Ok. Je m'occupe des plantes. J'ai vu une bassine d'eau quelque part. Mais où? Où est-ce qu'il y avait une bassine d'eau? Je sais plus du tout. C'était en bas, je crois. Oh, j'ai jamais pu essayer l'atmosphère. Bateau, tout en haut à gauche. Ah, si. Bah maintenant, ça sortirait ouais, en contenu, en application, ce serait carrément possible. Ouais. Ah oui, j'avais complètement ça, oui, c'est pas long. Oh, je suis trop gonflé, regardez. Je suis de gros, je suis trop pas. Hein. Je suis du gros, tu... Oh, tu nous bassines, bah tiens, je te crache contre. Oui, c'est trop. Enfin, c'est forcément. Après, je piétine ça comme un fils de pute, mais. Je suis chamboulé. Tu chamboules? Ah oui, voilà. Ah, il y en a encore. C'est pas bien poussé. Tiens, fidèle aux poules. Ah, je croyais que celle-ci elle était pas bien poussée, mais c'est peut-être normal. Attendez, il y en a encore une petite dans le coin. Je l'avais vu, mais je le réserve pour plus tard. Voilà. Oui. Tout en haut à gauche. Tout à gauche, en haut, et ben quoi? Pourquoi t'es enroulé pour ça? Je crois pas. Voilà, monsieur. Ah, vous avez réussi, vous avez poussé tous mes plans. J'ai encore jamais demandé pour ce nasal. Enfin, pas depuis toujours, ma grand-mère avait éternué. LOL! Ah, ah, quel gros stub. Ah, quand on collecte 3D et vous parle, ça fait ça. Ah, oh, ça y est, elle a un peu bafouillé. Qu'est-ce qu'elle a dit, ça y est? Tout à gauche. Ah, juste parce que c'était hors de propos, c'est ça? C'était hors contexte. Ah, mais si, il y a un passage, j'avais pas vu. Non, I take the pool. Par ici, là, je trouve un garçon d'œil, on peut le garder, dit. Si je me fais cette nuit, c'est un moins du temps, c'est probablement pas qu'un novice, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. On peut le garder, mais je vais pas le garder, c'est un enfant. Mais le pèlerinage, il n'est pas censé faire la sieste. Mais je veux pas le laisser dehors. Exactement. Non, non. Si, elle est pas comme ça, c'est pas son genre. Elle est chaste et pure. En plus, c'est ma fille. Hein. Pas de cochon, c'était. Ah, mais j'ai une petite jauge d'eau de la trompe, je n'avais pas vu. Eh, mais là, il me fait... je suis censé apporter la paix et l'harmonie, hein, pas cracher de l'eau sur le gars, quoi. De l'eau. Que sa gueule est dégueulasse. Encore, mais même là, c'est les yeux qui sont rêvés. L'autre avec son sourire figé, là. C'est ça, le Joker. Mais oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Je ne dors plus. Bonjour, mais c'est un million de noces, un éléphant, je m'appelle Kai, hein, tu peux y un éléphant! Vénérer et voir, mais oui, tu es un éléphant avec une trompe et des oreilles et tout, je n'en crois pas mes yeux. Ça une grosse statue sur la place. Ah, mais il y a des statues d'éléphants. Hein. Je ris très fort. Bonsoir, Némé, c'est le jeu pour toi. C'est spécial, Némésis, des petits éléphants pipou, des poules sur le dos, c'est ce qu'il aime. On a comme un présent, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire. Ça change. Tous nos jours, les gens qui pensent aux éléphants ne sont qu'un mythe. D'accord, c'est l'éléphant légendaire, l'éléphant de Juron, tout ça. Dovahkiin éléphant, bref. Et le chat et le vase ancien, qui était quoi? Et beaucoup de textes aussi, ouais, c'est peut-être pas pour les sceptiques ça, putain. C'est assez bizarre en fait, le positionnement du jeu, c'est que.
Oh là là, je glisse de façon subtile. Shadow of Mordor, non, c'était plus Pitbull. C'est nul Shadow of Mordor. Comment on peut jouer à ça, putain? Mais rien que le premier, c'était. Mais je l'avais essayé une petite demi-heure, je crois, en live. C'était tellement relou. Tu te rends enfant à l'office. Quand tu ouvres un coffre, tu vous vois. C'est le narrateur, c'est moi le joueur qui parle. Quand ça parle à moi le joueur, ça parle à l'éléphant, tu toi, et c'est ton pote. Son sourire, ça fait flipper quand même. Tiens, petite question, ceux qui m'ont vu jouer au Batman ou qui connaissent de Telltale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la Harley Quinn qu'ils ont fait un peu dominatrice, entre guillemets, contre le Joker, enfin le John Doe un peu faiblard, un peu craintif pour l'instant? Ouais, super, tu me. Joker. Lol. Pas vu. Ah bah voilà. Putain, mais trop de blabla là, ça me saoule. Je crois en toi, ouais, c'est évident, enfin tu vois ce que je veux dire. Bon, la traduction est sympa. Hein. Oh, regarde, oh, je sais pas. J'ai perdu ma poule, mais regardez. C'est trop super. Telltale, ça pue. Mais non, mais c'est pas ça qu'on demande. Je vais aller Telltale là-bas, bravo. Alors. Allez, petite narration. Il va m'aider. Ti. Allez, une voix de merde, oui, ça c'est vrai. Des thunes, des brosouf. Ah, c'est des petits rissons, il prend. Pipou. Je prends l'autre. Toi, je te laisse crever dans la. Par Walking Dead. Ah, mais bon. Parce que je sais pas si vous avez vu les tweets du JDG, il est très très vénère. Bon, après, il a du mal avec les changements dans les licences qu'il aime bien, c'est compliqué. Et il dit que c'est de la merde. Elle est pas censée dominer, Joker est pas censé être faible et tout. Voilà, c'est pas normal, ils vont jamais réussir Harley Quinn, qu'est-ce qui se passe? Alors que la Harley Quinn du dessin animé, où elle a été inventée, elle est assez. Quelconque. Après, elle a évolué dans les comics, peut-être, mais là j'avoue. Hein. Oui, Wolf Among Us, c'était en été sympa aussi. Ouais. Enfin bon, je m'étais spoilé en vidéo. Ah, mais je veux pas faire de bagarre! Non! Oh, bah non, bah, c'est pas un jeu pour les enfants. Ah! Tiens! Mais il m'attaque pas? Ouais, enfin, j'apporte la paix et puis le. Oui, voilà, du fight, j'apporte la paix et le. Bonsoir, les hein. Je sais plus, je suis les airs, je sais plus. La paix et l'harmonie, mais je bute des mecs. Bon. Tiens, crame. Je vous sauverai, Nerisson. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu catastrophique. Le JDG, quand même, des fois, du mal. Hein. Ah mon dieu, ils ont changé un truc. Oulala, c'était un fantasme sexuel. Maintenant, c'en est plus un. Hein. Ah mon dieu. Enfin, fantasme sexuel, non, pas vraiment, avec Queen. Ah, il y a de l'eau, regardez. Ouais, mais comment je. Ah oui, attends, je vais pousser là. Mais je suis pas fan. Moi, je trouve ça très très intéressant. C'est pas forcément ma Harley préférée, mais je le trouve très sympa. C'est un peu facile de juste switcher les rôles. Ouais, après, ça va peut-être s'améliorer. Hein. C'est que le début, mais. Non, t'es mort ou t'es. Parce que tu bouges plus trop, par contre. Mais les hérissons, une fois que je les ai reposés, ils sont morts en fait. Et là, ils bougent. On bouge plus. Parce que notre programmation, on n'a pas prévu de nous faire bouger. Bah de la série animée, je pense, c'est ça. Hein. Ah bah les vieilles, les Queen. Si. Enfin les vieilles, non, 95, c'est pas vieux en fait. Mais bon, quand elle est apparue, elle avait pas 0 ans, tu vois. C'est ça, c'est Paul Dini qui l'a. Oh putain, je t'ai fait un backslide sur le moulin à aubes là. T'as jamais vu ça. Des petits pics à la Castlevania, tout ça. Ouais, les ennemis, bon, ils ont l'air pipou les serpents, j'ai. Bim! Un éléphant. Oh, pas, t'as raté quand j'avais une poule sur le dos. J'ai pris un petit hérisson, mais ils ont dit que c'était toi la poule. C'est chez Manu que c'est une poule, c'est ça? Michel Pfeiffer. Mais Michel Pfeiffer, là, je vais faire les Queens. Alors là, ah oui, il y a une clé là, d'accord. Ah oui, tout simplement, on pousse, hein. Oh, mais je vais être obligé de laisser les feux. Un petit hérisson, bon, tant pis. Les petites énigmes tranquilles. Ouais, Catwoman, Michel Pfeiffer. C'était même pas. C'était Michel Pfeiffer? Je sais même plus. Regardez, je vais marcher doucement quand même. Bim! T'as cru j'étais qui? T'as cru j'étais Dumbo? T'as vu? Trop un thug.
Bim, je te défonce, bro. Ah là là, attention, elle est. Énigme. Pas mal ça. C'est un peu poussé, sauf que. Ah oui, regardez. Faut que j'attende que ça baisse et je vais le mettre sur la plateforme. Attendez, la plateforme va se baisser et je vais pouvoir. Non, j'aurais pas dû souffler tout de suite, ok. Ouais. Non, attendez, comment je vais faire? Comme ça? C'est un peu. Oui, j'ai un peu soufflé en biais. C'est pas très précis, c'est bizarre. Est-ce que je peux passer là? Puis où je vais avec ma caisse? Elle est où le bouton de la caisse? Il est où? Ok. Ah merde, il est là. Ouais, j'étais trop loin, je suis bête. C'est pas grave. Elle passe une poule. T'as raison, il date de sa première apparition de 92. Ah bon? Ok. Bah oui, mais alors du coup, comment je fais? Ah, mais ça bouge! Attendez, je peux pas, 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 je peux pas. Ah, fuck! J'ai pas d'eau! Fatigué d'être fatigué. Ouais, mais être némé, c'est fatigant. Vous êtes là, ouais, némé, némé, non. Vous avez pas envie d'être un némé. C'est pas si simple. Là, je peux pas m'abreuver, là? Ah, bah ça va! Alors, attendez, il y a une autre énigme par ici. On va faire ça. En plus, je suis un peu plus lent et petite musique me satisfait, moi, personnellement. Regarde de tes petits yeux et tout. C'est vrai qu'il fasse des petits mouvements avec ses oreilles, mais c'est marrant, quand même. Fais ton petit fil au tube. Non, mais bon, petit fil au tube, c'est pas... Allez, vite. Ouais, le jeu, ça va, il me laisse bien... Ah, putain, mais... Eh oh, j'étais là. Je suis pas content. Voilà, ça... Hop. Mais oui, c'est trop pipou. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Alors attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas fait là, une plateforme que j'ai pas activée en bas. Ça doit être un trophée. Je vais faire mon bas ma live. Bon allez, comment j'y vais là? Quelle est l'astuce? Ah oui, non, c'est dès l'entrée, c'est chaud. Ok. Oui, c'est à moitié du cheat ce que je fais là quand même. Hein. Enfin, vu que c'est un truc à moitié caché, je te dirais que c'est ok, mais. Ouh, d'accord. Easter egg. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Fallait jouer Lego. Ah, oh, c'est pas le même niveau de budget, je pense. C'est Telltale. Hein, t'as bien vu Telltale. Faire les petits films. Je préfère tout. Ouais, à plusieurs jeux Lego. Ouais. C'est les blagues dans les jeux sont jamais très très drôles. Hein. Même les premiers Star Wars, c'était pas hystérique à se tordre de rire, à se péter la fesse par terre de rire. Ok, système de cadeaux. Il y a un système de cadeaux. Dur, dur d'être Némé. Non, il s'appelle Némé, il s'appelle pas Shorty du coup. Ah oui, non, tu viens. C'est dur d'être. Ah oui, non, je suis maintenant plus sa chanson. Alors là, il y a besoin d'eau. Ah oui, comme c'est marée basse, ça ne marche pas, mais regardez. Petite astuce. Et après, je vais faire squish. Et là, ça fait squish. Et moi, je fais splouche, voyez-vous. Allez, je les go tous les deux. Oh là là, c'est beau. Voilà, ça, je le pousse. C'est le classique, d'accord. Et là, ça m'amène l'eau que je slurpe. Regardez cet enchaînement. Parce que je peux pas me tromper, quoi. Il y a deux trucs à faire. Alors, de toute façon. Je me gonfle, je me gonfle, je me oins d'eau. Je me oins la trompe. Non, ça m'énerve. Que la plateforme décolle direct. Et on m'empêche de revenir en arrière. Subtilement. Je peux le repousser, c'est marrant. Est-ce que je peux le pousser dans les pics façon Soul River, tu sais? Il a voulu me mordre, mais j'ai niqué son animation. On peut souffler dans les pissenlits, lisses comme les buissons dans Zelda. Ça va apparaître les petits. Voilà. Ah oui, je peux casser les rochers. Vous avez trouvé un fragment de vie, collecte ses enquêtes. Oui, ben ça, je sais, merci. Moi, il sait se servir de sa troupe. C'est vrai, Mick. Allez, hop, je t'embarque. Embarquer des trucs sur son dos. Ce serait vraiment ça de pouvoir les empiler en vrai. Boum.
Mais oui, monsieur Pipou, regarde cette petite boubouille là. T'as pas envie de lui faire des petits boudinous. À chaque fois, ils sont en flip de me voir. C'est. Oh, quelle grosse trompe. Bonjour, je te parie que vous n'attendiez pas à me voir ici. Mais c'est qui, Gary? J'ai glissé dans un train. Tant mieux, mais sinon, il bourrait de piège et de le gommard, c'est dangereux. Donc, le mec vient de frauder le train en fait. Allez-y, quand vous arrivez dans un nouvel endroit, vous devez arriver à la gare, hein, si vous avez besoin. C'est tout ce que j'ai dit. Ah oui, et là maintenant que j'ai été là, je peux rentrer. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais comment je prends le train? Faut que je rentre par le tunnel directement. Attends, je vais un peu fouiller parce que. 15 euros, je sais pas si ça vaut son prix parce que pour les enfants, bah, c'est quand même beaucoup de. Déjà, faut qu'ils sachent lire. C'est minimum 8. Entre 7 et 8 ans, 7 et 9 ans, quoi. Faut qu'ils supportent beaucoup de textes quand même. Les énigmes, bah, c'est perception 3D. Alors, la vue isométrique que je pensais être une mauvaise idée, plutôt une bonne idée, même si. Faudrait voir après sur le long terme s'il y a des énigmes plus tordues. Plus tordues au niveau timing aussi. Là, tu vois, c'est un niveau un petit peu bon. Oh. Sois pas triste, petit nénéphant. Là, tu vois, je sais pas si. Ah merde, j'avais pas fait gaffe! D'accord, l'énigme. Là, c'est bon, c'est. Tiens, ce petit éléphant, il va dans la vie, tu vois. Il se combat contre la vie de tous les jours, tu vois. Oui, c'est le dire, oui, c'était welcome to machin. 15 euros, c'est un peu chaud. Même 10, tu vois, un petit peu moins de 10 euros, j'aurais peut-être dit oui, mais là, si je mets la caisse là, ça sert à rien. J'ai essayé, mais je vois pas à quoi ça sert. Ben, je peux redescendre, d'accord, mais quel intérêt? Pas compris. Au moins, c'est mignon, voilà. Welcome to mon cul sur la com, ouais, exactement. Ouais, mais justement, c'est une mauvaise façon de. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que les mauvais jeux sont en train de faire n'importe quoi avec les prix, parce que quand tu fais des bouses à 23 euros. Et tu vois ça à 15 euros, tu te dis bah au moins ça vaut le coup, alors qu'en fait pas beaucoup vraiment en fait, t'es un peu exagéré. Là, tous ces prix entre les soldes sans arrêt qui font passer Dishonored 2 à 20 euros très vite, qui devrait pas, et celui-là qui est à 15 euros, bon, il y a eu un problème d'estimation de la valeur on va dire. Oh, il y a eu un vieux out of map là, j'ai réussi à faire out of map avec l'éléphant. Les tacs, les pics, exactement. Ouais, mais j'achèterais. Oh, 15 euros, non, non. Moi, j'aime pas plus que ça et c'est quand même très léger, quoi. Il y aurait un humour, tu vois, un peu décalé, rigolo. Mais pour les grands, c'est chaud. Ah, bah, c'est gratuit, écoute. Fratoui. Ah. D'accord, ok. On m'introduit au système de ce levier, de ce type de levier-là. Là, les combats servent carrément à rien, par contre. Cuphead, oui, Cuphead complètement. Mais là, pour nous, à nos âges, hein, c'est peut-être un peu. Ouais, pas déconner, quoi. Alors, attends, on va. Ah oui, alors. C'est laquelle qui fait bouger. Ok, ça ouvre la porte. Et ça fait la plateforme. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah mais faut que je mette la caisse tout simplement. Pity, je suis tout pitou night. Ah oui voilà, tout simplement. Okay. Boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Attends. Attends, mais il est où le truc? Ok d'accord, on va savoir pourquoi ça fait un pas. Vite, c'est timé, vite! Vite, petit effet lent. Vite! Mais c'est dégueulasse! Comment tu veux que je fasse? Mais comment je la passe? C'est chaud là. Hein? Parce que là j'ai été aussi vite que j'ai pu, mais. Place de ciné, bah si tu vas en 3D, tu peux facilement monter à 10 euros.
Qu'est-ce que je me fais chier avec la caisse? Il y a un truc que j'ai pas compris avec cette énigme. À quoi sert la deuxième caisse en fait? Ah mais ça sert pas à ça. Mais si, enfin à quoi ça sert d'autre? Parce que là je peux pas m'en servir pour aller chercher. Si, si. Attends, attendez. Parce que du coup la caisse sert à rien. On peut très bien la deuxième caisse sortir de la salle sans la caisse. Donc c'est qu'elle doit servir à avoir le coffre. Easter egg, Manu Bahama, le trophée. Sauf que je peux pas sauter. Ah, faut peut-être que je la mette là. Attendez. Eh mais comment je fais? Oh le cheat, mais. Bah non, je peux pas la mettre là parce qu'elle est collée au. Et puis là, ça va bugger. Ça bug complètement. Ben non, je comprends pas le truc. Puis je sais pas comment avoir ce. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est ça qui ouvre la porte. Ah, après, ouais, il faut. Eh, mais attends, il y a un problème. J'ai bugué. Ah, j'ai tout fait bugger là. Attends, on va crever, voilà. Ah, bien. J'ai tout fait bugger. Il faut que je sorte de la salle. C'est parti, Uni. Bye bye, bonne soirée, merci d'être passé à la petite unicorne, j'espère que tu auras apprécié ce petit élément absolument mignon, qui correspond bien mieux pour ton frère. On aurait dit à cracher, voyons, on peut vous aimer. C'est la teuf. C'est 35 francs, ah, voilà, c'est la faute des euros. Regarde-les. Bah là, je suis un peu bloqué, rien. Oui, parce que. Mais en fait, c'est que ça a bugué tout à l'heure. Voir si. Oui, parce que en fait tout à l'heure ça a bugué. Mais comment j'ai fait tout à l'heure? Je crois que c'est un gros bug en fait. Parce que quand je fais ça, ça fait repopper. Voilà, c'est que ça fait repopper la caisse. Non, c'est pas un bug, c'est l'énigme en fait. C'est bizarre. Le Craigslist. Le Craigslist. C'est une énigme assez chelou là. Ben pourquoi mon attaque porte pas là? Ouais, ces collisions sont un peu, ouais. C'est hasardeux tout ça. Hein. Ça hasarde pas mal. Là, c'est pareil, putain. Mais regarde. Putain. Bon, c'est curieux. Hein. Moi, je dis, trompe son nom. Il est pipou, il est carrément moche. Lol. C'est faux! Viens sur les pics là. Viens. Toto là. Tu me battes. Ouais, alors ça bug. Oh merde, la mort. Du coup, le croque-mort, il va me chercher. Courage. Un peu trop tard parce que je suis mort. Mais. Qu'est-ce que tu passes là où je suis? C'est la fête, tu es mort, c'est super, t'es décédé. Quand t'es décédé, c'est super, tu reviens dans un hangar ferroviaire, c'est super d'être décédé. Quand t'es mort, c'est super, t'as des croix sur les yeux, tu respires plus, tu vas mourir, c'est trop super. Quand t'es mort, c'est super, tu reviens. Et tu prends un petit train, c'est super, t'es décédé, ouais, t'es mort, c'est trop chouette, allez, vas-y, va crever. C'est pas pour. Oh! Secret, l'enculé. Bonsoir, mon petit Simon El Chipuarno. J'ai envie d'appeler Simon El Elefanto. Donc, faut que je me retape tout fucking everything. Ça, par contre, c'est pas très bien optimisé. Ah, voilà la poule. Quand j'avais pas la poule, c'est pour ça. Putain, c'est trop ça. Ouais. No poule, no victory. Ça, c'est un petit peu évident, mais le temps de chargement va me la faire disparaître. Adieu, poule. Ça me fait reprendre de bien loin, je trouve. Pour pas grand-chose, parce que j'ai pas à refaire les trucs, donc... C'est pas très très utile. Là, j'avais été ou pas? Ah oui, j'avais été. Bon, bon, bon. Elephant Man. Pff, Elephant Man. Qui connaît ce super-héros méconnu? Lol, MDR. Ouais, faut que je me refasse le chemin en vrai, faut que j'aille dans l'autre ville et tout. Pourquoi je pouvais pas aller dans l'autre ville? Techniquement, j'ai. Non, ah, j'étais resté bloqué dans le donjon. Ok, d'accord.
Il glisse des fois, ouais, un petit peu de blocage sur les bords, ça aurait pas été mal de temps en temps. Pas de double saut, y a pas d'armes, y a pas de petits bonhommes animés comme dans les dessins animés des années 30. Ouais. Comment c'est trop nul quoi. Les frontman c'est moisi mi. Oh, Nightlobart, ban. Théo. Nightlobart et les frontman, quand même. Quand même. Chef-d'œuvre. Non, chef-d'œuvre, j'en sais rien, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Ah oui, il faut que je refasse ça quand même. Parce que la dernière fois, je l'ai envoyé l'autre bout. Je sais pas, il y a des trucs que je dois refaire, d'autres non. Mais le feu est éteint, donc ça sert à rien. Ça va aussi s'activer à vie. Ah, t'as sûr? Non, mais pas aussi loin, putain! Pas pipou, ah bah non, bah ça c'est sûr. C'est un Dark Soul-like. Où est la Dark Soulisation du jeu vidéo là? Le cupédisme du jeu de plateforme? On veut que des pets, on veut des cupèdes. Lol. Non, bah il y aura Mario bientôt là. Voilà, tous les casus vont être contents. Alors Mario va être. Il va tellement exploser sa mère les ventes quoi. Vous allez halluciner. Mario là, ça va être des records hystériques à Noël. Et encore, ils ont pas de console Nintendo. S'ils auraient des consoles, ce serait le game over. Tu te rends compte que ça va sortir et Assassin's Creed qui sort. Il y a un autre jeu aussi, je crois. Je sais plus lequel qui sort. Attends, il y a bon, Stranger Things 2 qui sort. Enfin, tu vois. Ils sont fous, les mecs, de sortir en face de Mario. Ils sont fous. Bah oui, mais alors, du coup, faut que j'aille dedans pour l'activer, c'est ça. Oh putain, je pleure. Ah d'accord, c'était ça en fait. Ici c'est l'endroit où tu apparais quand tu es décédé. Oh, petit éléphant, tu vas crever de multiples façons. Tu reviendras toujours ici, dans cette station. Tu verras, c'est super d'être décédé. N'hésite pas à faire valider ton ticket. Oh, ça m'inspire ce petit air country là. Assassin's Creed. Franchement, pas beaucoup de promos. Pour un Assassin's Creed, c'est quand même très léger de la promo, je trouve, par rapport aux autres. Même les mauvais, les derniers mauvais, avaient beaucoup plus de pubs que ça. Il se fait très discret. Quelques événements YouTube, mais même sur les événements YouTube, tu vois, ça craint, quoi. Ouais, le DLC avec la momie, encore, ça peut être intéressant, ça. Honnêtement, là, ils ont mis un an de plus pour faire ça. Moi, je dis, ça pue. Même techniquement, il a l'air faible, là. Ça pue. Peut-être qu'il va être bien, mais faites gaffe, quoi. Entre Mario et Assassin's Creed, si vous avez une Switch, vous n'hésitez pas. Vous faites... Si vous avez une Switch et une PS4, vous faites Mario d'abord. Si vous avez la chance d'avoir une Switch, ouais, parce que, enfin, il n'y a pas photo. Enfin, faut aimer Mario, bien sûr, mais moi, j'aurais une Switch pour X raisons, je le ferais. Parce que celui-là, il me branche. Autant que Galaxy à l'époque me paraissait cool. Je t'ai vu jouer Galaxy après le repas de Noël, mais oui. Ah, les porcs, ah, mais non, mais c'est petit éléphant, regardez. Mais... Sois un peu plus gentil avec ce petit éléphant de tour. Mais si, regardez, il tout en cube. En fait, il passe pas les portes. Il se met devant, il fait des petits pas quand ça passe pile. C'est calé. Comme un petit cake. Bon, alors on est à cette merde là. Peut-être que mon ami le. Ouais, c'est vraiment bizarre comme énigme. Ça, c'est pas très logique. Là, il sort, ouais, comme Mario. Mario, tous les jours, t'as un petit décompte et tout. Ils ont sorti une tétrachier de vidéos et tout. Et ils ont même presque spoilé beaucoup le jeu, je trouve, Nintendo. Et ouais, non, Ubisoft se fait très, très discret, là, quand même. Il y a South Park qui est sorti, bah, avec le méga bullshit qu'on connaît. Au-delà de la VF, le jeu est quand même un peu plus faible. Beyond... Ah, The Little Monkey, évidemment. Évidemment qu'on veut tous jouer à ça. Bah, je suis curieux de le voir, même si je suis pas fan plus que ça du premier. Allez, faut pas se laisser bloquer dans les pentes. Merde, ma pièce qui est tombée. Ah, mais c'est juste pour avoir le coffre. Ok, nice. Ah, mais je suis obligé de tout me retaper, putain. Bah, moi aussi, hein, j'ai. Tout ça pour des thunes en plus, putain, mais oh. Ils ont cru que j'étais un éléphant matérialiste ou quoi? Ou mentaliste? On ne sait pas. Et bah comme on dit, Assassin's Creed, le Mario Odyssey, qui va pulvériser les ventes de Switch. Mais qui va pas tant que ça parasiter les autres achats. Hein. Les gens qui ont une Switch vont l'acheter. Par contre, les autres jeux sur Switch, sortez-en pas. Sinon, y en a pas de prévu. Bon, j'aurai le temps de sortir, mais c'est pas grave.
Après, sur console, sur PS4, je sais pas trop. En indé, je sais pas non plus ce qui sort. On verra, hein. Je sais pas, mais moi je trouve que. Ça donne pas confiance. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire là? Attends, mais pourquoi il me fait faire ça? À quoi ça me sert d'avoir de l'eau ici? Attends, ah non, parce que oui, on pouvait faire ça aussi. Ouais. Toujours. Ah oui. Quoi? Allez. J'ai trop les lignes. Là, c'est pareil. Un petit dézoom sur le truc pour voir un peu ce qu'il y a à faire dans la salle. Ça aurait pas été mal. Mais là, je l'ai vu, mais. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Snipper Clips, c'est une suite. Il y a la suite de Snipper Clips, bah tu vois. Heureusement que tu es là, Némé, pour m'apprendre les rudiments, parce que je ne savais pas. Vite, vite, vite. Parce qu'après, ça va plus marcher longtemps, ça dure pas longtemps. Oh mon dieu. Rip, là, ils sont. Rip, elle est Rilson. Nouveau Black Mirror, ça y est, il est sorti. Netflix là, bon, non, mais là, moi, Black Mirror, la première saison, la deux premières saisons, oui, puis ça va en déclin, hein, je trouve. Ah, ça me ferait plaisir qu'Assassin's Creed revienne comme à l'époque où le 1 avait calmé, même s'il était très vide le 1 au final, hein, c'était beaucoup d'esbroufes techniques, mais putain, qu'est-ce que c'était balèze. Le 2 était bien, apparemment, c'était le meilleur, mais le truc, c'est ça paraît très mal parti quand même. Hein. Bon, la série elle peut, elle a le droit de changer, tu vois. Et qui c'est qui va nous dire bonsoir? Je ne vois pas. Si Bilouin, bonsoir Bilouin. Moi, le pseudo est bleu foncé, donc je ne vois rien. Ah, je retrouve mes éléphants, tout va bien. Bah, de moins en moins, malheureusement, malheureusement pour eux, ça se vend de moins en moins. Là, le South Park, ça va leur faire mal. Hein. Puis à cause d'eux, c'est le jeu service. Enfin, à cause d'eux. Le mec il trouve des sous. Bonjour! Voici le chevalier, ah, faut que j'aille voir la reine. Viens pas faire, attends, wesh. Compléter ton starter. Non, mon rooster. Starter, c'est les jeux de cartes. Pour l'instant, là, aujourd'hui, c'est compliqué. Là. C'est les vacances. Far Cry, sans réfléchir, ça c'est pas bon, Mickey. Sans réfléchir, il faut pas. Mais le prochain Far Cry, bon. Il va être cool, mais tous les persos sont. Putain, le design est absolument dégueu en 2D, quoi. Les petits avatars là en dessin, c'est horrible. Hein. Le Far Cry 3 avait quelque chose, ouais. Mais au final, ça avait quelque chose. Parce que là, parce que si on. La formule de jeu, map gigantesque de merde là. Non, les tests, les heures, apparemment, il est un peu moins. Même l'écriture est un peu moins badass. Mais elle est quand même marrante. Les gens disent, les vannes sont là, c'est beaucoup de fanboyisme, mais c'est moins fou que le premier. J'ai pas fait le premier, donc je répète ce que j'ai lu. Hein. Et que, bah, ouais, il y a une première partie du jeu qui est un peu mollasse, quoi, au niveau de l'histoire et des vannes, c'est un peu. Bon. Doublage VF, ouais, c'est atroce. C'est atroce quand t'es fan de la série, attention, parce que quand tu regardes une ou deux fois, que tu t'en fous un peu. Les vannes sont quand même là, quoi. Mais c'est vrai que c'est du bricolage fait par un studio au Canada, un peu, quoi, tu vois. Parce que les mecs de la VF ont fait chier ou ils ont voulu te payer plus, j'en sais rien. Enchant. Ah! Ah, alors, qu'est-ce que j'ai? Bleu pastel, oui, style par défaut, d'accord, mais ça. Oh, le petit éléphant japonais! Mais c'est les mêmes. Ah, en jean. Panda, oh là là. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que les mecs, soit ils essayent d'imiter, soit non. Oh, c'est adorable ça. Héros du tronc. Ouais, je sais pas quoi. Eh, mais c'est ouf. Oh, Fashma Queen, t'as vu? Naref. Tu sens que c'est vite fait, écoutez. Ouais, je vais le prendre comme ça, écoutez. Oh, y a ma petite armure du beau gosse, je fais la bagarre. Les éléphants, un doux et tout.
Oui, non, mais bon, après moi, South Park, je n'ai pas envie de. La série, voilà, c'est sans moi. Alors, je sais pas comment marchent les combats. Au final, vraiment, j'ai pas fait le premier. Ah, c'est un robot journaliste. J'ai rien contre les VF. Ah, bah non, mais le problème de la VF, là, c'est que c'est pas. C'est que c'est pas la bonne, quoi. Les mecs auraient fait la VF avec les bons doubleurs. Le jeu serait beaucoup mieux vendu. Hein. Tous les gens qui ont préco exprès pour avoir ce qui nous manquait dans le premier. J'avoue que ça m'a pas donné envie de faire le premier, mais même j'aurais pas fait le premier. Je suis pas fan de l'humour des South Park, je trouvais. Enfin, j'ai regardé que les premières saisons, il paraît que les dernières sont vraiment bien. Moi, les premières, c'est vraiment le gag facile, c'est juste le trash pour être trash. Et la critique est assez. Ça vole pas bien haut, quoi, des fois. Enfin, des fois, ils se perdent dans la facilité du trash. Des fois, ils ont vraiment des trucs à dire, puis des fois, bah non, c'est juste crado pour être crado. Regardez, on va le plus loin que les autres. Ouh, une petite losange de vie en plus. Hey! Ah, c'est pas vrai, ok, faut que je monte voir l'arène. On va voir la tronche qu'il y a à l'arène, puis on va tester l'autre job. Pas de synchro labial, c'est fait large. Bah, après, oui, la série, on peut pas parler de synchro labial non plus dans la série. C'est un peu exagéré. Dernière saison, c'est les pires. Ah, bah, ah c'est qui? Je suis bourre. Mais il y a toujours un personnage creepy. Ok, mais c'est quoi ces réflexions super deep tout d'un coup? Oui, faut savoir que les bourreaux. Oh là là, la montée des marches. On va dire que c'est pas la spécialité des animateurs. Hein. Comme les Simpsons. Ah ouais, d'accord. J'avais cru comprendre le contraire, genre. Oh, comme c'est beau. Je peux pas. Oh, ils font la roue! Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Psst, que fais-tu à cacher? J'attends d'éviter les gardes. Fin du monde. Elle va pas me reconnaître. Comment ça me reconnaître? Mais c'est qui elle, putain? Depuis 1912. La saison 8 déjà à l'époque. Ah, il y a eu les meilleurs moments, quoi, quand Matt Groening était vraiment dessus. Hein. Non, puis t'as vu le nombre de saisons, normalement c'est normal, tu t'épuises. Tu peux pas être aussi pointu et à propos que. Enfin, tu peux pas tout le temps être au top niveau, c'est normal. Wesh, la reine, belle gosse. Ça va. Ah non, en fait, non, putain, à chaque fois la 3D ça passe. C'est pas bon. La princesse était kidnappée. Ah, mais c'est la princesse, je te parie. Gros, il accuse les squelettes. Alors, c'est les robots. Les débuts, attention, la première saison, c'est chaud. Hein. Celle qui est dessinée là avec 3 francs 6 sous. Ouais. Même les deux, la deuxième aussi, tu sens que c'est pas top. À partir de la 3 ou 4, je crois que c'est bon. Mais ouais, il y a des moments d'anthologie. Enfin, c'est parce que, tu vois, Matt Groening, c'est pas juste la vulgarité, c'est pas juste la critique facile. C'est que derrière, il met quelque chose de. Il met une vraie histoire, de l'émotion et tout. Il met des trucs puissants, quoi. Il qualifie Gotham raisonné. Ouais. C'était pas juste bien, c'est énorme. C'était une équipe. Ils étaient très très attentionnés aux détails. Les South Park, c'est déjà devenu plus bourrin. Et puis, oui, il y a des commentaires pour dire que bah, ouais, South Park, à force de faire voir des rednecks, des alt-right tout le temps, de les rendre sympathiques malgré eux, tu vois, enfin, ils ont un petit peu favorisé aussi cette. Simpson l'ont fait, oui. Bon allez, il est mignon cette bestiole, mais quand même, c'est zéro fun hein, pour nous. Enfin, il y a beaucoup de dialogues, je suis surpris. Je pensais pas que ça allait être autant. Ça allait être autant blablateux, quoi. Vache. Bon, l'autre jeu à la base, alors, entre ça et le jeu des caisses, celui-là est quand même beaucoup plus simple aussi, mais bon. Les paons, pas les pans. Pan, pan! Skibidi kaka! Skia! Glia! J'adore, vous le savez, je l'adore celui-là, c'est moi chouchou, je trouve trop fort. Le comédien qui a fait ça, c'est un génie. Et je suis content pour lui que ça marche. Le mec fait des concerts de ça. Enfin, pas des concerts, mais tu l'as vu, je l'ai vu sur scène et tout. C'est terrible, quoi. Voilà, ça s'appelle Think of the Children, pense aux enfants. Comment ça, setup? Mais non, je l'ai installé déjà. Ah, je l'ai pas installé. Ah non, je l'avais juste dézippé, merde. Je croyais que c'était le jeu qui n'avait pas besoin d'installer. Bah, attendez. Voilà, je vais l'installer, tout va bien.
Bon, le petit téléphone, non, à 15 euros, la vache, même à 5 euros, c'est déjà. Faut pour ta petite sœur, mais pour jouer avec. Parce que toute seule, il n'y arrivera pas. Totalement mature. Bah, c'est ça le truc qui revient, c'est que c'est un peu moins. Ça aurait dû évoluer vers quelque chose d'autre. Bah, ça dépend, parce que derrière la vulgarité, il y a de la vraie maturité, de la vraie critique. Mais il y a des fois, moi, c'est assez inconstant, quoi. Il y a des épisodes où vraiment c'était juste trash bêtement, hein. Puis enfoncer des portes ouvertes de temps en temps, quoi. Voilà, Think of the Children, donc on va faire du overcooked. Voilà. Ah, attendez. Comment je reviens en arrière? Oh là là, ça jouait. Le son. Ça arrive, hein. Mais où est le curseur? Voilà, merci. Ah, mais pourquoi le son si fort de basse, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan, quoi? C'est infernal. Minecraft est encore vivant. Oui, je pensais pas que c'était ce style-là, vous voyez, je me suis fait avoir. Pipi caca avant. Il y avait toujours un truc précis. Mais je pensais pas que c'était Minecraftiersk. Je pensais que c'était plus joli que ça, vous voyez, je me suis fait huer. Tutoriel, oui. Ah oui, il y a deux tutoriels. Yet. Ah, on est déjà arrivé au tutoriel. Pick up your kid. Call them over. Sit them inside. Buckle up. Ok. Ah, faut que je laisse appuyer. Ok. Ah, je peux les lancer. Je peux sprinter. Okay. Comment je le jette? Ha! Ah oui, quand ils sont dedans, je les tripote. Ah, je laisse appuyer, ok. D'accord. Graf, non, 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 non. Tous les qui courent, hein, mais. Bah, déjà, j'en ai quelque chose. Est-ce qu'on est au parc? D'accord, c'est toujours la même vanne. Et là, oui, le but, c'est de jouer à plusieurs, je pense. Voilà, accusé de vidéo. Alors, faut que je gère le barbecue. Faut que je gère la. Faut que je mette la. J'allais dire la piña colada, mais non. Alors, set de table. De barbecue, c'est de piñata. Ils vont aller sur la route, non? Ouais. Guinami! Voilà, normalement, faut le faire à plusieurs. C'est vrai que tout seul, c'est pas trop le fun. Mais je fais quoi, là? Ah, y en a qui sont en danger. Merde! Il y a l'inspection des. Allez! Merde, bien mort! J'ai tué le chien! Non. Ils appellent les services sociaux. Ah, mais ils bouffent des baies en fait. Ah, ok, d'accord. Ah, putain, ils se noient! Ça, c'est marrant parce que c'est très. Le truc des services sociaux, ça me fait marrer. Enfin, je crois. Ou alors, c'est que c'est un van d'un violeur. Ah, il y a un autre mort, là, oh merde! Merde, il y a un mec qui s'est noyé dans le sable! Il y en a qui sont, se font écraser, mais c'est horrible! Ah, j'avais pas vu! Ah non, c'est excellent. C'est assez mortel. Par contre, tout seul, c'est long, mais... Non, justement... Mais c'est quoi Tend the Barbecue? Ah, fallait que je mette les tables. Ah oui, non, j'avais pas compris qu'il fallait que je la fasse. Ok, d'accord. Ah non, le temps est passé. Ouais, je passe pas là. Avec deux survivants, c'est chaud. Swing and miss. Played in traffic. Écrasé. Intéressant. Premier. Transition vers le premier jeu était vraiment bien année de quoi? Ah, ça après. Verdict F, ouais. Ah. Évaluation, ah, d'accord, c'est en évaluation en temps. Ah, mais je suis un agent. Ah, je suis approuvé, bah écoute, ça va. Bon, en fait, il faut faire des micro-sessions. Tu fais un truc, tac-tac, tu fais un truc, mais tu peux jouer jusqu'à 4, et à 4, ça peut être marrant, ouais. Et on doit pouvoir jouer sur un. Hold X to fast forward.
Ah, mais faut que je fasse mieux que F peut-être pour pouvoir passer au tableau suivant. Ok, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Ça va aller mieux. Il faut que je tienne le temps imparti. Mais la piñata, ça les concentre un peu. Donc on va le faire en premier. Il faut pas que j'oublie que je peux speeder. Voilà. Mais ça ne dure qu'un temps. Je pense que ça aussi, ça l'est. Mais c'est chaud! Voilà, merde, il y en a déjà un qui est crevé dans le sable. Merde, il y en a un qui a pété la barrière. Ah merde. Putain, mais il crève. Arrêtez, arrêtez de crever, les enfants! C'est horrible! Mais c'est dur! Oh, il se fait emporter, mais c'est PS. Mais putain! Oh putain, le carnage! Tout le monde est crevé. Et ça crame de partout. C'est horrible. Quel parent. Ah mais il est notable. Putain, j'avais pas fait gaffe. Putain, arrêtez d'aller voir les messieurs dans les wagons, dans les vannes. Putain, je vais avoir un Z là. Les canards, putain, c'est horrible. Le problème, c'est que tout seul, j'ai l'impression. Papa Lord. Les gamins qui sont noyés, c'est horrible! C'est vraiment un jeu à plusieurs parce que le nombre de persos diminue pas quand t'es tout seul, j'ai l'impression. Genre F- là. En plus, ça existe F-. Mais il y a perte de l'année. Ah, faut au moins qu'on passe ce tableau, merde. Mais le tuto est super basique et ça t'apprend pas vraiment, hein. Ah mais là c'est pas bon, c'est trop dur. Il y en a partout. Bah comme en vrai. Enfin, le mec en plus il fait un barbecue s'il te plaît. Il y a un dingo, il y a une route, il y a des mecs des services sociaux qui traînent. Ah là c'est trop chaud. Alors je sais pas si les tables aussi ça fait attraction, j'en sais rien du tout. Avec ses gore quand même. Hein. Putain, mais. Ouais, faut que je sois à côté, mais. Ah! Oh putain! Cette violence! C'est assez génial quand même. C'est franchement, c'est marrant. C'est très malsain, on va pas se mentir, mais. Get army! Comment j'ai sauvé ma vie? Comment j'ai trop sauvé ma vie, quoi. Et les petits papillons, c'est pour attirer les enfants, c'est ignoble. Ah si, mais attendez, j'en ai des plus, là. J'en ai plus des vivants. Putain, mais arrêtez d'aller voir les messieurs dans les vannes, quoi. Mais je peux pas y arriver, c'est trop chaud. Eh, la balançoire, c'est chaud, ça marche pas très bien, Vincent. Ouais. Je peux pas crier tout le temps, j'ai une barre là, qui se recharge. Ok, là, ça va être bon. Je vais peut-être faire un... Un petit peu mieux. C'est plus de survivants, mais c'est chaud. Chaud. Allez. Ah là là, c'est tendu. Hein. D, ça va. Ça a amélioré quand même. Et du coup, task complete. Ah, faut que j'arrive à faire c'est moins ou mieux. C'est trop dur! Merde! Allez, again. Tâche-les tous, mais je peux pas les attaquer. C'est dur dès le début, quoi. On va refaire ça, mais bon, on va être obligé d'en perdre. Hein. Mais là, à 4, oui, facile. À 4, c'est déjà plus simple. Il y en a un qui fait les trucs, l'autre qui ramasse les enfants, voilà, un troisième qui surveille. Il y a peut-être encore plus d'enfants à 4, c'est possible. C'est intéressant.
Allez, venez. Stressant, tu vois des flammes. C'est mais moins que c'est. Eh, ouais, il fait ce que je peux, il fait ce qu'il peut, l'emballe. Mais regarde où t'as va draguer. Casse-toi, quoi. Mais non, jette-la pas dans l'eau, bordel. Putain, marche pas assez. Mais attrape. Mais non, non, je l'avais attrapé. Bon, c'est le chien. Merde, 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 merde. Ah putain, ça l'a projeté. Arrêtez de vous noyer. Mais merde, je me trompe de touche depuis tout à l'heure. Putain, c'est pour ça. Ah, je me trompe de touche pour les ramasser. Ouais, bah non, on va restart tout de suite. Inigo trace en répit, ouais. Paf le gosse. Le paf sur la route, c'était là. Putain, tu vois le petit point d'exclamation, ça. Tu tournes la tête. Bah putain. Et je ris de ça. Et je ris de ça. Et je peux appuyer, ouais. Guilherme. Il faut. Les touches sont pas très 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 intuitives. Mais bon. Il faudrait que je m'entraîne un peu plus. Les mecs ils se jettent quoi sur les baies et sur toutes les merdes que tu veux. Comment je. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. L'autre qui vole des enfants, s'il te plaît. C'est pas le truc le plus ignoble. Eh mais je peux pas faire les trucs bonus, c'est juste pas possible. Eh mais attends, je l'ai pas acheté, je l'ai pas acheté. Ah si, je l'ai acheté. Mais... Oh putain, mais elle vient pisse sur la route. Ah non, c'est des... En plus, j'ai son âme qui monte au ciel et tout. Bon, je vais pas m'occuper des burgers. Hein. Ah merde, non, il est mort, lui. C'est pas mal fiché. Au début, les grands ronds blancs, je trouvais ça un peu inutile, mais en fait, non, c'est... Et puis mon cri, il... Non, non. Non, mais là, j'ai sauvé le chien, en vrai. Voilà, ça devrait être bon, là. Soir slidery. C'est super Nani Cournoi. Allez. Ah, j'ai un multiplicateur en plus, là. Yes. C'est quoi ça? Un bonus? Un petit chapeau! Trop cool! Petit bonnet! Ça marche, on va un petit Bill Ray. Next! Allez, on va avoir un autre tableau. Ok, j'ai cru que ça buguait. Qu'est-ce que c'est? Ok, je suis au tribunal. La cour, 9h50. Human ici en lave de magistrat Sunnydale. Sunnydale, lol, on est chez Buffy. Ouais, accusé record breaker avec un nouveau record de centaines, 38 charges. 438 charges de négligence parentale. Ouais, là, attention, trop de blabla, là, c'est sûrement très drôle, hein. Mais je m'en fous. Pas qu'il trinque, exactement. Tout à fait, mais qui sait tout à fait ça. Oh putain. Oh, le petit crabe. Donc, ouais, à jouer à plusieurs, ça peut être fun. Je sais pas quel prix il est, celui-là, tiens. Ok, bronzé. Faut que je lui mette de la lotion. Mais j'ai pas envie. Que je mette les serviettes. Pourquoi j'irais tartiner les vieux de lotion? Pourquoi faire? Attends, je suis là. Ok, je suis là. Ah bah moi, c'est les vieux en premier, hein, vous savez. D'accord, ça va être trop dur. Oh, mais il y en a partout!
Il se fait bouffer par les mouettes, putain, c'est dégueulasse. C'est dégueu. Et les requins, évidemment. Les bons petits requins. Ah, le hors-bord dans ta gueule. Et honnêtement... Eh ben quoi pour... Arrêtez. Le type prend feu. Ça va. Il y en a... Il y en a partout. Ah, tu sais, j'achète des glaces, ils vont venir, peut-être. Faut que je trouve le truc. Il doit y avoir un truc qui les attire à chaque fois, non? Voilà. C'est destination finale, mais oui. Ah. Ça manque un poil de précision, un peu de plus de magnétisme précis, ça aurait été pas mal. Mais oui, le château de sable, il me le casse, du coup faut que je le refasse et tout. Intéressant. Ah, faut vraiment que je sois à côté. Cassez-vous les mouettes, putain. Ça va pas être beau, hein. Ah ouais, t'es vivant encore en dessous. Oh putain, des moins. Non, non, je suis... Alors, je sais pas qui je suis exactement. Je suis... J'ai pas lu les textes, hein, ça se trouve, je suis le père qui n'a pas bien fait son travail, je ne sais pas. Non, j'ai l'impression d'être un agent de sécurité, parce qu'on... Un agent de... Du... Ouais, des... de l'enfance, quoi. Bon, c'est sympa. Au début, ça paye pas de mine, mais à plusieurs, ça doit être fucking drôle. Et le côté un peu gore, c'est pour ça qu'ils ont mis du Minecraft-like pour pas avoir de problème. C'est intéressant. Ça a déjà été fait, et c'est vrai qu'Overcooked ressemble à ça. Mais Overcooked a l'air un peu mieux quand même. Un peu plus recherché, parce que c'est très limité, là. C'est toujours pareil, en fait. C'est juste les interactions qui... Enfin, les petites animations qui changent, mais c'est drôle. Mais quand t'as fait tout, puis là, j'ai oublié, manque un poil de précision, c'est marrant. C'est franchement rigolo. Mais ouais, Overcooked est beaucoup plus précis et plus lisible. Bon, bah c'était marrant, ce petit live. Un pipou, pas vraiment, sur la deuxième partie. Sur le deuxième jeu, je pensais que c'était pas gore comme ça. Que les mouettes, ils ont la bouche pleine, évidemment. On reviendra pour du catch, peut-être plus tard, parce que j'en ai fait beaucoup. Mais je vais pas pouvoir trop avancer là pendant les vacances. Hors live, ça va être compliqué d'avancer, je verrai ça. Bon, en tout cas, je vous dis bonne soirée. La bonne nuit, le bon dodo, hein, ceux qui sont en vacances, profitez-en, ceux qui ne sont pas en vacances, profitez-en pour travailler, tout à fait, et je vous dis à la prochaine, bye bye. Oh, oh.